Période de Ramadan, période de prolifération des activités génératrices de revenus. Les débrouillards sont partout dans les coins et recoins de la ville de N'Djamena, cherchant quoi à trouver pour subvenir à leurs besoins vitaux. Mais qui dit période de Ramadan, dit aussi réduction de consommation des denrées alimentaires pendant la journée. Pour certains débrouillards, le gain journalier n'est pas à la hauteur des attentes. Pour ce vendeur de sable, il n'y a pas de variation des prix avec l'avènement du Ramadan. Il y a des marchés, mais ceux qui achètent à cette période-là, ils n'achètent pas avec beaucoup de l'argent. Si, au moment pluvieux, là, on peut vendre même à 80 000, 90 000, 65 000, 75 000. Mais en ce moment-ci, là, même si c'est cher comme là, c'est 45 000. Et ça, là, ça ne rapporte pas comme au mois pluvieux. Si certaines personnes pensent que le mois de Ramadan impacte négativement sur leurs activités, d'autres, par contre, estiment qu'ils trouvent leur compte.